toutes et à tous et bienvenue sur Cool Geek. Aujourd'hui, une nouvelle gamme. Et on s'attaque au WWE Replica Championship Title. Et on commence avec du lourd, la WWE Championship. Alors, si tu veux être le challenger de cette ceinture, suis-moi. Et oui, je vous ai présenté cette ceinture comme la WWE Championship. Et là, vous êtes en train de vous dire que je vous raconte n'importe quoi, car il est noté World Heavyweight Championship. Cela n'est pas une erreur, bien au contraire, et la raison en est toute simple. Le nom de cette ceinture a évolué au fil du temps, et actuellement c'est bien la WWE Championship. Ensuite, vous pouvez lire Replica. Cela correspond au niveau de qualité de cette ceinture. En effet, il existe trois catégories, les commémoratives, les réplicas et Elite Series. Bien sûr, le prix varie en fonction de la qualité que l'on a envie d'avoir. Maintenant, vous pouvez également voir que cette ceinture est fournie avec une housse de protection qui revêt un aspect de velours. Alors, pour être honnête, c'est extrêmement difficile de la maintenir propre. Et petit conseil, mettez-la dans un sac plastique. Maintenant, je vais ôter la housse et je vous la présente. Lorsque vous sortirez la ceinture de sa housse, vous trouverez un petit sac contenant quelques pierres de remplacement. La ceinture a été dévoilée le 18 août 2014 suite au changement de logo de la firme WWE. Par conséquent, l'ensemble des titres ont subi quelques modifications et non pas au niveau du design, mais simplement une mise à jour du logo. Le premier détenteur de la World Heavyweight Championship n'est nul autre que Brock Lesnar. Certains ne le connaîtront peut-être pas en tant que catcheur, mais plutôt en tant que combattant de MMA. Je veux bien parler des arts martiaux mixtes. Afin d'agrémenter la vidéo, je vous mettrai en insert quelques petites informations, comme le nom de la ceinture qui a évolué, comme je l'ai dit plus tôt, ainsi que les dates concernant ces périodes. Et pour illustrer tout cela, je mettrai également une photo d'un catcheur correspondant aux mêmes périodes. Les matériaux utilisés pour cette réplique sont du simili-cuir pour la sangle, du métal pour les plaques, et comme vous pouvez le constater, qu'il y a une grande quantité de petits joyaux sur l'ensemble de cette ceinture. Celle-ci mesure 1,28 m de long pour 29 cm au plus large et 3 cm d'épaisseur. Ce titre pèse 2,780 kg. Par conséquent, c'est vraiment un poids lourd. Sachez également que la ceinture que je vous présente est une taille adulte et qu'il existe la version Kids. Le premier prix de cette ceinture était de 429,99 $. Vous pourrez également customiser cette ceinture en remplaçant ces deux plaques amovibles et en les remplaçant tout simplement par des plaques personnalisées dédiées à certains catcheurs. Par ailleurs, restez jusqu'à la fin de cette vidéo car en post-générique, vous pourrez découvrir l'ensemble des designs de ce titre à travers l'histoire. Maintenant, j'ai pour habitude de donner une note pour les figurines lors de mes vidéos, mais pour les ceintures, nous allons faire un peu différemment, avec tout simplement un j'aime ou j'aime pas. Eh bien, moi, j'aime cette ceinture, je la trouve magnifique et je lui trouve un petit côté agressif. Je pense que c'est surtout caractérisé par le nouveau logo de la WWE. Maintenant, donnez-moi également vos impressions en commentaire. Et on arrive à la fin de cette vidéo avec une vue de l'arrière de cette ceinture. Pour acquérir celle-ci, c'est très simple. Vous avez le choix entre deux boutiques qui sont les boutiques officielles de la WWE. Je vais vous donner les adresses. On va commencer par l'européenne qui est euroshop.wwe.com. Puis l'US qui est shop.wwe.com. Pour être honnête, vous pouvez varier d'une boutique à l'autre. Tout dépend des promotions qui sont en cours. Alors si j'étais vous, je regarderais les deux shops en même temps et j'essaierais de voir laquelle est la plus rentable. Alors si toi aussi tu as aimé cette ceinture et que tu veux en voir d'autres, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager,
à me suivre sur les réseaux sociaux et surtout à t'abonner à la chaîne Kulgeek. Allez, tchuss!